Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarir et nous sommes sur le chantier. Aujourd'hui, un grand nombre de travaux sont en cours. C'est également le cas pour les jours fériés passés. Les constructeurs ont travaillé très fructueusement et aujourd'hui, nous allons observer les changements qui ont eu lieu pendant ces vacances. Donc derrière mon dos, vous voyez une dépendance sans étage de la partie de stockage du bâtiment qui est à gauche. Ici, on voit déjà très bien que la dépendance est recouverte des revêtements extérieurs, des parements, de plus en plus de fenêtres sont installées. La toiture est faite et le constructeur ferme maintenant les portes et les endroits où les fenêtres ne sont pas encore montées. Cela est nécessaire pour ouvrir de nouveaux fronts de travail dont nous parlerons un peu plus tard lorsque nous entrerons dans le bâtiment lui-même. En outre, c'est de dehors que nous pouvons faire attention au fait qu'une grande partie du sol le long de la clôture a été dynamitée. Cela devait être fait pour accéder aux communications d'ingénierie, en particulier aux câbles d'alimentation. Les travaux sont en cours dans ce domaine, donc nous vous tiendrons au courant de ce qui va se passer ensuite. Eh bien, maintenant, je vous propose de passer à l'intérieur et nous verrons quel processus se déroule là-bas. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans la partie de stockage du bâtiment, qui est également une partie arrière. Et ici aussi, nous voyons beaucoup de mouvements. En ce moment, certains travailleurs se communiquent très activement. Nous voyons ici le début d'une nouvelle étape, parce que dans cette partie du bâtiment, des travaux sont également en cours pour fermer les fenêtres et les portes, mais c'est une solution temporaire. De plus, nous voyons un mur grandi de couleur bleue. C'est un auvent qui a été spécialement tendu ici pour assurer l'isolation de la partie de stockage de celle de la production. Cela est nécessaire pour que les constructeurs puissent bien procéder au réchauffement du bâtiment et directement du sol sur lequel nous nous trouvons maintenant. Je vous rappelle que lors de la création de la fondation, une fosse a été creusée d'une profondeur de 3 mètres et qu'elle a été ensuite recouverte de sable couche par couche. Les couches ont également été tassées, chacune à son tour, compactées avec des vibrateurs spéciaux. Et à ce jour, afin de procéder à la prochaine étape dont nous parlons, à savoir afin d'effectuer des travaux de béton préparatoire qui précèdent à la pose de l'isolation, à l'installation ultérieure de l'armature et pour déjà couler le sol du rez-de-chaussée, il est nécessaire d'atteindre la température optimale du sol et de l'ensemble du bâtiment. Par conséquent, maintenant ces travaux sont effectués, c'est beaucoup de travail, mais néanmoins nos constructeurs font face à tout. Nous voyons également comment toute la neige a été retirée en prévision de ces travaux. Maintenant, une certaine quantité de cette neige, pour ainsi dire, est démontée. Eh bien, pour nous, c'est une excellente nouvelle, car nous voyons un volume de travail assez important et nous comprenons qu'à ce jour, tous les sols en béton des premiers et deuxièmes étages ont déjà été coulés. Il ne reste plus que le rez-de-chaussée.
Beaucoup se demandaient quand commenceraient les travaux dans ce domaine. Eh bien, non seulement ils ont commencé, mais ils vont aussi bien. Enfin, je peux dire que sur les entresols du premier étage, on a également commencé l'installation des cloisons intermures. Plus précisément, ce sont des cadres auxquels les cloisons seront fixées. Eh bien, nous allons vous le montrer plus en détail dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, restez au courant de ce qui se passe dans la vie du projet. Au revoir.